Bonne fin d'après-midi, mesdames et messieurs. Re-bienvenue à Thetford Mines, lieu de la 53e finale des Jeux du Québec. Malheureusement, c'est la cérémonie de clôture. Dans quelques instants, nous allons vous présenter justement tous les athlètes qui vont défouler le terrain avant de quitter, avant de s'en retourner chez eux. Le cœur plein, les poches pleines de médailles, peut-être plein de souvenirs. Jean-Philippe Dugré, directeur de la Fondation des Jeux du Québec, est à mes côtés. Salut Jean-Philippe. Salut Derek. Jean-Philippe, tu as eu le privilège de passer toute la semaine ici. Tu as pu voir un peu comment ça s'est passé. Tu as été spectateur, tu as été amateur, tu as été partisan, tu as tout fait, mais tu as vu des belles choses. Ah, ça a été une semaine extraordinaire. Derek, laisse-moi avant tout te parler de la qualité des sites de compétition qui nous ont été offerts cette semaine. Le Centre Option Nature, dans le premier bloc, on a vu du triathlon. Dans le deuxième bloc, on a vu de la natation en eau libre. C'est un site absolument formidable. Un des plus beaux, moi, que j'ai vu en 6 finales des Jeux du Québec. Wow. J'ai beaucoup aimé également les stades de baseball hein, qui ont été refaits en grande partie pour cette 53e finale. Entre autres, ici, le stade Desjardins où on se trouve. On est à quelques pieds du marbre. On est à quelques pieds du marbre. Plus de 1200 spectateurs pour la finale. Ça a été vraiment un lieu absolument extraordinaire. On ne peut pas passer sous silence, Derek, les pistes d'athlétisme. La piste d'athlétisme, une ambiance absolument survoltée dans un lieu magnifique. Et pour moi, j'ai aimé aussi le parc Saint-Maurice où on pouvait voir en même temps, Derek, du volleyball de plage, du soccer et du tennis. Donc, ça permettait aux spectateurs d'assister à 3 sports dans un même lieu. Dans la prochaine demi-heure, pour nous mener jusqu'à cette cérémonie de clôture, on va faire un portrait de quelques athlètes qui t'ont inspiré. Et aussi, il faut parler aussi des gens qui sont impliqués pour rendre cette finale-là un immense succès comme elle a été. Quand les jeunes athlètes arrivent, eux autres, ils arrivent ici, ils ont l'esprit de compétition en tête. Ils ne veulent pas penser à où ils vont dormir, où ils vont manger. Il y a tellement, tellement de choses. Parle-moi un peu des infrastructures. Mais peut-être aussi là, l'alimentation, parce que c'est du repas. On a un tableau d'un des éléments les plus importants lors d'une finale. Je pense qu'on peut le voir à l'écran au niveau des services alimentaires. On parle de 2300 repas qui sont servis, Derek, 3 fois par jour durant 9 jours. On a 20 000 boîtes de lait au chocolat, 20 000 portions de yogourt, 100 000 boîtes de jus, il y a 15 000 contenants de yogourt à boire, 60 000 collations, c'est des biscuits, des barres tendres, 70 repas spéciaux, parce qu'il y a du monde comme moi qui a des allergies. Exact. Et tout ça, c'est à tous les jours, ça commence à 6 heures le petit déjeuner, puis le souper à 20h30. Absolument. C'est un des postes, bien entendu, les plus importants. Puis on parle de repas qui sont hypoallergènes. Ça prend autant d'efforts pour préparer 70 repas hypoallergènes que le reste. Pour ceux à la maison, là, c'est une compétition qui se déroule un petit peu plus d'une semaine, mais c'est comme organiser 15 championnats provinciaux en une semaine à un endroit. Absolument. Et on a également un topo à vous présenter sur les meilleurs moments de ce bloc 1. On regarde ça tout de suite. Quand même tout un montage. On a vraiment pu ressentir l'émotion, la passion de ce premier bloc sportif. Absolument. Merci à toute l'équipe de TV Go qui est avec nous depuis maintenant 10 finales, qui fait un travail absolument extraordinaire au niveau de la webdiffusion. C'est bien monté. En parlant de personnes qui travaillent bien, je veux parler des chandails rouges. Les chandails rouges partout dans la ville, partout sur les sites de compétition. Évidemment, je parle des bénévoles. Ils t'accueillent avec un sourire. Est-ce qu'on peut t'aider? Ils avaient une méchante gang. Puis comment ils ont pu garder toute cette énergie-là toute la semaine? C'est quelque chose d'absolument exceptionnel. À chaque
cette finale, on le voit, et toi-même, Derek, tu as fait des appels en ondes pour que les bénévoles soient présents et nombreux. C'est 10 % c'est très simple, c'est 10 % de la population de Thetford qui a été bénévole au cours de cette 53e finale. Et on fait un travail exceptionnel. Alors, on remercie évidemment les bénévoles qui se sont déplacés, qui étaient présents, des milliers de bénévoles. Hey, la place des Jeux, il faut en parler, parce qu'au milieu d'une communauté ici, Thetford Mines, il y avait une place où les gens pouvaient participer à certaines épreuves. Il y avait de l'activation, il y avait des événements. Parle-moi de la place des Jeux. C'est le volet adulte d'une finale. On propose une foule d'activités complémentaires. C'est le lieu où les parents et les locaux se rassemblent le soir venu. C'est toujours une belle proposition. Je pense que ça a dynamisé, Derek, cette finale-là aussi. Puis on a senti réellement que dans les restaurants, dans les commerces, dans les boutiques, tout le Thetford était mobilisé pour cette finale des Jeux du Québec. On a senti que Thetford était les Jeux du Québec et incarnait, Derek, ce que le programme a de mieux à offrir. On est au stade Desjardins à Thetford Mines où, dans pas grand temps, on va avoir la cérémonie de clôture de la 53e finale des Jeux du Québec. Jean-Philippe Dugré et Derek Aucoin. Écoute, on a vu le premier bloc sportif. Hein. Le premier bloc sportif, on a vu une petite topo qui avait l'athlétisme, le baseball. Et on est à quelques pieds du marbre au stade Desjardins. Il y avait du golf, tir à l'arc, triathlon, vélo de montagne et volleyball. J'aimerais qu'on regarde maintenant une autre vidéo, cette fois-ci, avec basketball, natation en eau libre, soccer, tennis, voile, volleyball de plage. On regarde ça. Incroyable, encore une fois, quel travail. Et là, on a vu des performances. Et les Jeux du Québec, c'est ça. Les Jeux du Québec, c'est spécial parce que c'est des jeunes qui se dépassent, c'est des jeunes, c'est des histoires inspirantes. Tu en as rencontré quelques-unes que tu aimerais partager avec nous. Évidemment, je pourrais raconter une quarantaine d'histoires fascinantes sur ce qui s'est passé cette semaine. Je vais me concentrer sur quatre histoires. Tout d'abord, Océane Roy en baseball mixte. 13 ans seulement, s'est qualifié avec, dans la grande majorité des cas, seulement des garçons au sein des équipes. Le baseball, c'est 13-16. Elle s'en va directement au championnat. Canadien représentant le Québec chez les U16. Ça veut dire directement dans les ligues majeures. Ben, peut-être un jour, Derek. Peut-être un jour. Bon. Une autre histoire qui m'a marqué, c'est celle d'Eliott Héroux. En athlétisme, quelqu'un qui a gagné l'or au 800, l'or au 1500, au 2000 mètres steeple, ainsi qu'une médaille de bronze au 4 x 400 mètres. Les attentes étaient élevées. Il a gagné, lui, tout raflé au championnat québécois. Ce qui m'étonne avec lui, c'est qu'il a retenu de ses jeux le stress supplémentaire que représente une grande compétition comme ça avec les médias, les entrevues à donner, le multisport. Et c'est là qu'on voit toute la valeur des règles du programme des Jeux du Québec. Pourquoi? Parce que ça prépare nos athlètes au niveau suivant. Le prochain niveau, ben lui, oui. C'est quelqu'un qui sera au niveau canadien. Assurément. Donc, il aura vécu son stress aux Jeux du Québec. Moi, ça me fascine. Hey, tu veux-tu me parler du jeune joueur de golf? On a vu l'histoire passer, j'en ai entendu parler. Malik, qui son partenaire, golf en équipe, il n'était pas là. Il s'est retrouvé jouer tout seul. C'est mon histoire favorite là, des Jeux du Québec. Malik Dao du Sud-Ouest, 14 ans seulement. Épreuve en équipe, deux balles, meilleure balle. Malik a joué seul, son partenaire étant retenu, comme tu le disais, à Philadelphie. Il a gagné la compétition, a joué un 71. Ce qu'il disait, c'est qu'il est resté focus sur la tâche à accomplir et qu'il a laissé de côté l'ensemble des autres paramètres qu'il ne contrôlait pas. Ça m'impressionne, ce niveau de concentration-là. J'ai bien aimé cette histoire-là et ma femme l'a partagée sur les réseaux sociaux. Juste en passant, le travail des réseaux sociaux des Jeux du Québec, j'ai trouvé que c'était bon parce que ces histoires, les images, on en a vu beaucoup aussi. Est-ce quelqu'un d'autre que tu veux me parler? Je devrais te parler de Florence Filion, 12 ans, qui était en triathlon. Le fait étonnant, c'est pas sa 34e place, c'est le fait qu'elle ait été aux Jeux du Québec. Florence s'est blessée gravement à un pouce en décembre dernier. Et même quelques jours avant la compétition, elle s'est blessée au pied, a subi une coupure assez sérieuse au pied.
Et sa détermination lui a fait dire « Moi, j'y serai à ces Jeux-là ». Donc, coup de chapeau à la détermination aussi des règles de l'ensemble de ces athlètes-là qui étaient présents avec nous. Bravo. Écoute, on aurait pu raconter 3500 histoires parce que tout le monde ici avait évidemment une histoire. Mais tu en as une qui est un petit peu plus spéciale. Tu as eu la chance de passer un peu de temps avec un autre athlète. Bien, absolument. On sait qu'au niveau des Jeux du Québec, il y a des parasports qui sont présentés. Donc, il y a souvent des disciplines qui sont là. On a assisté cette semaine à de la paranatation dans une ambiance absolument survoltée. Ce que j'aime beaucoup, moi, personnellement, de la Fédération de natation du Québec, c'est qu'elle intègre les compétitions de paranatation à même ses compétitions régulières. Génial. Donc, pour l'ensemble des spectateurs qui sont présents, bien, ça leur donne une ouverture sur des sports paralympiques. J'ai rencontré une athlète absolument extraordinaire qui s'appelle Tatiana, qui en a épaté beaucoup, qui a eu un courage et une détermination. Un reportage très touchant. On regarde ça ensemble, Derek. La paranatation, c'est l'unique sport des Jeux du Québec pour les para-athlètes. Et c'est dans leur perspective de développement, dans toutes les sphères de la pratique sportive, la paranatation, les Jeux du Québec a sa place au niveau compétitif pour permettre aux athlètes de passer à un autre niveau, tel que les Jeux du Canada ou les Jeux paralympiques par la suite. Encore une fois, cette semaine, on a une démonstration forte et éloquente d'athlètes très prometteurs. À quoi attribuez-vous les succès du Québec sur la scène internationale? En fait, c'est le développement qu'on fait au Québec. On est allé faire du recrutement. Maintenant, on a un centre national à Montréal en paranatation. C'est l'unique au Canada. Et les athlètes qui sont ici aux Jeux du Québec ont battu des records de para-athlètes. Et maintenant, on a même des records canadiens. Fait que c'est des futurs athlètes qui vont pouvoir entrer dans le centre national à l'Institut national du sport à Montréal. Hey, Tatiana, 4 courses, 4 médailles, des records des Jeux du Québec. Est-ce que tu t'attendais à avoir des performances aussi éblouissantes cette semaine? Non. Non? Toi, à quoi tu t'attendais quand tu es venue ici? Bien, je m'attendais à avoir 4 finales et puis une médaille. Avoir 4 finales puis une médaille, donc tu as dépassé tes attentes. On est très, très fiers de toi. Dis-moi, ça, c'est tes premiers Jeux du Québec. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné cette semaine? Bien, j'ai beaucoup aimé les activités, puis j'ai encouragé beaucoup mes amis, puis j'ai encouragé aussi les cyclistes. Est-ce que ta famille était ici pour te voir? Oui, il y avait ma tante, mon oncle, ma cousine, mon parrain, puis ma mamie. Ta mamie aussi. Puis j'imagine que tout le monde est fier de toi? Oui, ils sont tous fiers de moi. Puis là, maintenant que tu as vécu ça, ces premiers Jeux du Québec, c'est quoi ton rêve maintenant en sport? Bien, je veux aller plus loin, comme peut-être si je suis bonne à aller aux Jeux olympiques, peut-être. En tout cas, on te le souhaite. Bravo. Bravo pour tes Jeux du Québec. Merci beaucoup. Excellent travail. Hey, vraiment, bon travail, JP. On est de retour sur le plateau avec le président de Sport Québec, M. Michel Allen. Michel, comment ça va? Très bien. Écoutez, quelle semaine fantastique. 9 jours de cette 53e finale. Puis écoutez, on le dit, on l'a répété régulièrement, c'est un succès à Thetford. C'est pas votre première, mais vos impressions de justement ces 9 jours de compétition, les 9 jours d'organisation, vos impressions à quelques minutes de la cérémonie de clôture? Écoutez, en conférence de presse, un peu, les gens partageaient un mot, leurs souvenirs. Moi, en un mot, ce que je peux dire, cette 53e finale-là se décrit par le défi. Le défi parce que il y avait quand même, dans le défi, il y avait quand même 4 enjeux extrêmement majeurs qu'ils avaient à réaliser. Écoutez, le facteur temps, on a octroyé les Jeux à la ville de Thetford-Maine parce qu'il n'y avait pas de ville et c'est le maire qui a levé la main avec son conseil de ville et qui ont dit « oui, nous, on est prêts ». Alors, le temps a joué contre eux, mais ils ont réussi à mobiliser la population, à mobiliser des talents, parce que ça prend des talents pour organiser, planifier une finale des Jeux du Québec. À ça, là, ils l'ont vraiment eu. Et dans une municipalité, vous savez, faire des infrastructures, de l'immobilisation, de mettre tout ça à niveau, bien, il y a quand même des délais longs à faire. Et ils l'ont réalisé parce que
faire de la réfection de bâtiments d'infrastructures dans une ville, habituellement, on parle d'un an et demi à deux ans. Oui. Alors, l'équipe, la direction générale ici à la ville de Thetford Mines et tous les gens qui tournent autour de ça, ce défi-là d'infrastructure, ils l'ont fait, ils l'ont réalisé parce qu'on a eu des plateaux d'une qualité extraordinaire. On pense au vélo de montagne, on pense au baseball, on pense également au triathlon dans un site extrêmement magnifique. Écoutez, c'est des succès qu'on a eus au niveau des infrastructures et c'est des beaux legs pour la population. Michel, t'es toujours très bon à justement donner un coup de chapeau à tout le monde, mais toi, ça fait 35 ans que tu es impliqué. Là. On peut-tu parler un peu de toi et ton implication? Bien, j'en parlais parce que cet après-midi, bien, cet avant-midi, en fait, je suis allé à la salle d'émission saluer un petit peu toutes les missions, les délégations. Et je leur rappelais que moi, en 1983, bien, je devenais missionnaire, animateur pour les jeunes avec la région du Lac-Saint-Louis. Et par la suite, j'ai fait à peu près 5 régions où j'ai été missionnaire. J'ai été agent d'information. J'ai fait beaucoup d'hebdo régionaux, de la télé, de la radio pour les jeux comme agent d'information. Oui. Et par la suite, bien, j'ai travaillé, moi, de l'autre côté du décor pour une ville qui accueille une finale des Jeux du Québec à Repentigny en 2007. Et par la suite, bon, chemin faisant, j'ai siégé également au niveau régional, au niveau de la Commission sportive de Montréal et par la suite, mais un défi qui m'a été lancé de venir sur le conseil d'administration de Sport Québec que j'ai accepté et j'en suis à ma 7e année, donc à ma 3e année de présidence. On a une trentaine de secondes. Dites-moi justement de votre première participation au jeu à aujourd'hui, la différence de l'organisation. Énorme, énorme, parce que dans toutes les villes, on va le voir, on n'organise plus des événements, on ne planifie plus des événements de la même façon. La sécurité, c'est un enjeu, on le sait, hein? Donc, tout le filtrage des bénévoles, juste de fermer une rue aujourd'hui, mais toute la sécurité, alors qu'avant, pas que la sécurité n'était pas importante, mais le niveau événementiel s'est professionnalisé. Et aujourd'hui, mais on peut dire qu'organiser une finale des Jeux, c'est un gros bateau. Et c'est pour ça que je dis mission accomplie à la ville de Thetford Mines. C'est vraiment. Président Sport Québec, merci. Je vous souhaite une très belle cérémonie de clôture. Merci beaucoup. Maintenant. Merci. On continue, nous autres, parce qu'on a. Il y a un projet quand même très spécial qui s'appelle Jouer gagnant. JP, j'aimerais ça que tu m'en parles. Bien, c'est. Je les ai rencontrés cette semaine. C'est un programme qui permet à des athlètes olympiques de venir à la rencontre des jeunes. On a préparé un topo là-dessus. On vous le présente dès maintenant. Bonjour tout le monde, je suis François Coulombe-Fortier, athlète olympique des Jeux de Londres 2012 en taekwondo. Et je suis conférencier pour Jouer gagnant l'équipe Québec de l'INS. On se respecte tous en tant qu'athlète, on se donne la main au début. Mais quand tu fais ton salut de taekwondo, tu te donnes la main. Puis là, tu fais... Ah! Tu commences ton combat. Moi, je vais vous donner le cul, je vais vous donner la chambre. Puis là, tu... Oh, on va reculer un peu, il est grand. T'as pas le choix. T'es 3 rondes de combat avec moi. Puis à la fin, bien, c'est lui qui va avoir été le meilleur dans ce match-là qui va gagner. En gros, je vais dans les écoles rencontrer les jeunes du primaire, secondaire, parler de mon expérience olympique, la réalisation de mes grands jeux. Mais évidemment, mon but, c'est de les faire rêver, les motiver en se donnant des objectifs dans la tête de leur rêve. Être avec un athlète, jouer gagnant aux Jeux du Québec, c'est vraiment impressionnant parce que moi, je veux vraiment aller aux Jeux olympiques un jour. Merci les gars, je suis maintenant en compagnie de Sabrina Bilodeau. Puis voir quelqu'un qui a déjà réussi à y aller, c'est vraiment inspirant. Sabrina Bilodeau, qui est la chef de mission de la délégation ressentir, là. Moi, en tant qu'athlète, ça me faisait grandement du bien quand mon coach, quand un ami qui connaît pas le taekwondo pantoute, il va juste me dire « Fais-toi plaisir. T'aimes ça ton sport? Va t'amuser. Gagne, perds, amuse-toi. » Puis ça va être... Je vais être content à la fin de ta journée. Merci. Quel excellent programme mis en place par le gouvernement du Québec, JP. Oui, absolument, Derek. Et il y a notre collègue Samantha Boucher qui a eu aussi la chance de faire des rencontres tout à fait exceptionnelles au cours de la semaine.
Elle nous présente un topo, comment vivre ces Jeux en équipe, comment vivre ces Jeux en famille. Elle a eu l'occasion de rencontrer des gens assez spéciaux. On va regarder le reportage dès maintenant. Donc là, vous venez de gagner un match. Comment est-ce qu'on se sent après une belle victoire comme ça? On se sent très excités. On perdait 1-0. Puis on n'a pas baissé la tête, on a continué à jouer, puis les résultats sont venus avec. Mon équipe a marqué, j'y suis content. On passe en demi-finale. On s'entraîne avec nos amis d'enfance. Il fallait malheureusement couper des joueurs parce qu'on peut juste amener 16 aux Jeux du Québec. Donc on a coupé environ 100 joueurs. Donc ceux qui sont ici sont très fiers d'être ici. On nous a accueillis très bien. Je trouve qu'il y a beaucoup d'ambiance parce qu'on se connaît beaucoup entre joueurs dans les autres régions. Donc c'est une bonne ambiance amicale, c'est pas juste compétition, on a aussi beaucoup de fun. Comme on est vraiment concentré sur les Jeux, on part des fois regarder nos matchs, on regarde ce qui va pas bien, ou sinon on se repose et on se prépare pour le match mentalement. Mais les coachs nous aident vraiment, puis on a des heures à dormir, on dort, on n'y est pas parce qu'on est concentré et on veut gagner. J'avais vraiment hâte de venir, je savais que ça allait être fun. Puis en plus, les Jeux de Tippermine, t'as plein de jeux partout, il y a des jeux gonflables, il y a vraiment des trucs pour avoir du fun. L'esprit de famille beaucoup plus prononcé vu que c'est proche, donc ça donne de la fébrilité qui est très agréable. Ben, c'est sûr que j'étais bien contente qu'Ariane s'intéresse à la natation puisque c'est un volet très, très familial. Donc c'est le fun de voir ça à travers elle. Et voir l'épanouissement qu'elle peut avoir, parce que j'ai vraiment vécu la même chose, donc c'est très agréable de voir ça avec nos deux parents. On s'est vraiment beaucoup entraînés pour les Jeux du Québec. Je veux dire, pas mal tout le monde a arrêté de s'entraîner comme au mois de juillet. Nous, on continuait, on s'entraînait deux fois par jour, puis tout. C'est ça, ça a vraiment été comme la poussée qu'il fallait donner là, pour les Jeux du Québec, mais... Elle a l'opportunité d'être venue représenter la Naudière deux fois en plus. Ce sont des choses que tu vis à tous les jours, donc c'est vraiment une richesse pour elle. C'est sûr qu'à court terme, j'aimerais ça aller au championnat 3A, parce que la natation s'est divisée championnat 2A, 3A. J'aimerais vraiment ça aller au 3A pour l'année prochaine. Puis peut-être aller au championnat canadien, on ne sait pas. La persévérance, l'effort, le travail, tous des éléments qu'Ariane doit faire déjà. Donc je pense que ça y croit, c'est un rêve qui peut être réalisable. Et c'est dans quelques minutes à peine que vont débuter les cérémonies de clôture de cette 53e finale des Jeux du Québec. JP, on a de la visite sur le plateau. La présidente du conseil d'administration de la 53e finale des Jeux du Québec, Mme Guylaine Dubuc. Guylaine, la semaine est presque terminée. Je te sens triste, là. C'est déjà fini. Oui, c'est déjà fini. Déjà fini. Bien, c'est une tristesse joyeuse. Je suis triste parce que j'ai créé des liens. On a créé des liens avec toute la province extraordinaire. C'est quotidien, c'est intense pendant 10 jours. Puis là, demain, bien, ce soir, tout le monde retourne coucher chez lui. Hein? Fait que, tout le monde retourne coucher. Ouais. Mais en même temps, c'est joyeux parce que ça laisse un héritage ici à Thetford puis dans sa région qui va être irremplaçable. Parle-moi justement de ta région puis de la fierté. De quoi tu es le plus fier de justement la participation de la région de Thetford Mines? Bien, moi, j'ai embarqué pour les gens, puis c'est ça que je suis plus fier. Je suis plus fier des humains, des athlètes en premier. J'ai eu la chance de voir plusieurs athlètes sur plusieurs plateaux, des jeunes positifs, dynamiques, déterminés, passionnés. Ils tombent, ils se relèvent, il y avait du plaisir. Puis quand la compétition était finie, ils s'entraînaient. On voyait les délégations, on allait encourager les autres sports. Ça, je suis fier de ça. Puis je suis fier aussi beaucoup de tout le tissu humain que ça a créé ici à Thetford Mines. On avait besoin de 3000 bénévoles. C'est pas rien d'une région, hein. C'est des gens occupés. Tout le monde a son corps de travail. Puis, mais il y a des gens qui ont donné des centaines d'heures. Que ce soit 4 heures ou 1000 heures qu'ils donnaient, tout le monde a été au rendez-vous. Fait que ça me rend vraiment fier. Comité organisateur, écoute, 40 jeunes, des GA, nos directeurs adjoints, des jeunes qui n'avaient pas d'expérience nécessairement dans une finale, comme moi, là, pas d'expérience dans une finale des Jeux du Québec. Puis on a livré des coprésidents, des directeurs bénévoles. Écoute, tout le monde a été au rendez-vous. Il y en a qui ont été là depuis 2 ans, puis il y en a qui ont été là plus récemment. Fait que ça, ma grande fierté à moi, c'est celle-là. Puis après, bien, ces bénévoles-là, ils restent en place. Donc, amenez-en des projets à Thetford Mines, on est capable d'en livrer. J'aime ça. C'est 2 ans de préparation, c'est 9 jours intenses de compétition.
La région a changé comment, là, ces 9 jours-là? À cause de ces 2500 personnes-là. T'sais, les bénévoles qui étaient sur le terrain, là, j'en ai vu tellement fiers. Et le mot « tellement », premièrement, ça va être tellement tête forte maintenant. Hein, tout le monde sur l'école à la peau. Puis j'ai vu du monde tellement fier. Puis déçu de ne pas en faire plus. Okay, parce qu'ils s'étaient inscrits pour 4 heures, puis ils ont tellement aimé ça qu'ils auraient voulu en faire 8, puis 15, puis en fin de compte, bien, on avait moins besoin. Ou s'ils avaient été mal cédulés, il y avait de la peine de ne pas être avec nous autres, mais écoute, ils allaient sur les sites, les visiteurs avec leurs petites chaises, ils venaient voir les athlètes, les encourageaient de se promener dans la ville. J'ai profité des 10 jours à me promener dans la ville, à parler aux visiteurs, mais à parler aussi des gens du milieu. Puis écoute, c'est extraordinaire comme expérience, Derek. Je vais vous laisser vous préparer pour justement la cérémonie. On est tellement fiers de vous, tellement merci. Tellement et puis nous autres, on va tellement continuer parce qu'on a Michel, Michel Demers qui est au premier but ou au deuxième but en quelque part. Je pense qu'avec des athlètes, on aimerait bien ça voir ce qu'elle a à dire. Sabrina, qui est notre chef de délégation pour la mission de Chaudière-Appalaches. Sabrina, comment on se sent en cette 53e finale comme chef de mission? Parce qu'on sait, Chaudière-Appalaches, vous étiez la région hôtesse de ces Jeux du Québec. Je suis vraiment fière de tout le monde. Je suis fière de ma délégation. On a eu des beaux résultats, des beaux esprits sportifs. Ça a été le fun de voir les parents venir nous encourager. Les jeunes ont eu beaucoup de soutien. En tant que chef de mission, je suis très fière de tout le monde, des bels esprits sportifs. Puis on a été tellement bien accueillis à Thetford. Ça a été super le fun, puis des très beaux Jeux du Québec. C'est super le fun d'entendre tout ça. Et puis toi, Sébastien Carrier, porte-drapeau de la délégation pour la cérémonie de clôture. Tu portes fièrement médaille d'or, médaille d'argent. Dans quelle discipline tu compétitionnais? Je faisais le 100 dos et le 200 dos. À la nage? Oui. Ma médaille d'or, c'est au 100 dos. Et en même temps, j'ai fait un record des Jeux du Québec. Puis la médaille d'argent, c'est au 200 dos. Puis dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as mis en place dans ta préparation pour faire en sorte que tu te sois autant amélioré entre 2016 et 2018? Bien, c'est sûr qu'entre les deux, j'ai grandi. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, j'ai eu beaucoup plus d'heures d'entraînement à chaque semaine. Puis il fallait que je mette beaucoup plus d'efforts pour me rendre à cette stade-ci. Chaudière-Appalaches, on voudrait vous entendre! Show, show, show! Chaudière-Appalaches! Show, show, show! Chaudière-Appalaches! Show, show, show! Chaudière-Appalaches! Show, show, show! Chaudière-Appalaches! Sabrina, est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais dire au comité organisateur en terminant? Un énorme merci. Ça a été tellement des beaux Jeux. Depuis 2 ans, ils travaillent très fort. Puis on a les résultats qu'on a là aujourd'hui. Ils ont travaillé très fort. Les Jeux étaient préparés. C'était super parfait. Un énorme merci à tout le comité organisateur. Merci beaucoup. Merci, Michel. Écoute, les Chaudières, moi, j'aime ça. Toutes les régions, hein, Jean-Philippe, les cérémonies d'ouverture avaient des objets, des choses leur étaient propres, mais j'ai bien aimé ça. Chaque région, Derek, veut se démarquer, bien entendu, par ses spécificités, faire le plus de bruit possible. L'esprit sportif, c'est également quelque chose qui compte ici aux Jeux du Québec, Derek. Écoute, j'ai bien aimé ça, faire ça avec toi dans quelques secondes. Ce sera le début officiel de la cérémonie de clôture. On se donne rendez-vous quand, nous autres, la prochaine fois? On se donne-tu rendez-vous à la 54e finale des Jeux à Québec au mois de février prochain? On se donne rendez-vous, Derek, toi et moi, du 1er au 9 mars prochain, en 2019 déjà, pour cette finale d'hiver qui promet. Et en terminant, je te remercie également, mais je remercie l'ensemble des élus municipaux, entre autres le maire Marc-Alexandre Brousseau, pour sa grande disponibilité au cours de cette semaine. Bien entendu, notre comité d'organisateurs et le conseil d'administration de cette finale. On s'en va à pause, puis la cérémonie commence. Merci. Absolument. Salut. Merci. Bonjour. Au nom du Mouvement Desjardins, permettez-moi de féliciter tous les athlètes qui ont participé à cette 53e finale des Jeux du Québec. Je suis certain que les derniers jours resteront gravés dans votre esprit pour longtemps. Je tiens également à souligner le travail remarquable du comité organisateur dirigé par Mme Guylaine Dubuc, ainsi que l'implication de nombreux bénévoles de la région de Thetford. Je vous remercie pour votre dévouement et vous félicite pour cette très belle finale qui est une réussite sur toute la ligne. Au revoir.
passion, les filles et les garçons, on participe à l'action, on devient des champions. En direct du stade Desjardins, voici la cérémonie de clôture de la 53e finale des Jeux du Québec, Peppermint! Cette cérémonie de clôture, une présentation de Desjardins. Et maintenant, voici vos animatrices, Mathilde et Béatrice! Nous tenons à vous dire à quel point nous sommes heureuses, fières et tellement choyées d'avoir vécu avec vous ces moments inoubliables. Vous nous avez fait vibrer, vous nous avez émus, vous nous avez même fait pleurer. Vous avez donné le meilleur de vous-même, vous vous êtes surpassés. Vous avez fait de la finale de Thetford un souvenir impérissable. Débutons la partie protocolaire par la présentation de nos dignitaires, des personnes importantes qui ont permis de rendre cet événement possible. Représentant le milieu de l'éducation, le directeur général du Cégep de Thetford, M. Robert Rousseau, et le président de la commission scolaire des Appalaches, M. Denis Langlois. Représentant le milieu socio-économique de Desjardins, présentateur officiel, membre du conseil d'administration du mouvement Desjardins et président de la Caisse du Carrefour des Lacs, M. Serge Rousseau. Représentant les municipalités de Chaudière-Appalaches, le préfet de la MRC des Appalaches, M. Paul Vachon. Représentant les 19 régions des Jeux du Québec, le président de l'unité régionale de loisirs et de sport de Chaudière-Appalaches, M. Guy Patry. Représentant le milieu organisateur de la 54e finale des Jeux du Québec hiver 2019, M. Vincent Dufresne, conseiller municipal à la Ville de Québec. Représentant le gouvernement du Québec, M. Laurent Lessard, député de Lotbinière-Frontenac, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre du Québec. Le président de Sport Québec, M. Michel Allen. Le maire de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau.
la présidente du comité organisateur de la 53e finale des Jeux du Québec Thetford 2018, Mme Guylaine Dubuc. Accueillons maintenant chaleureusement la mascotte officielle de la 53e finale, Flambeau. Nos champions, nos athlètes! Accueillons chaleureusement nos bénévoles! Avec le porte-drapeau, Pascal Jacques. Bénévoles ont aidé, c'est ce que je parlais plus tôt. Les chandails rouges sont là encore avec le sourire. Il y a encore des restes d'énergie. Exact. Avec leur porte-drapeau, Pascal Jacques, qui était directeur bénévole à la programmation sportive
qui est impliqué, lui, Derek, depuis plus d'un an et demi dans l'organisation de la finale. On ne le mentionnera jamais assez. Un événement comme celui-là ne peut pas avoir lieu sans l'apport de ces bénévoles-là, sans la participation des bénévoles. Les officiels aussi, Jean-Philippe, très important. Et qui on voit défiler maintenant sur le terrain de baseball, c'est les représentants des 263 officiels majeurs dans les deux blocs de compétition. Bien entendu, ce n'est qu'une infime partie des officiels qui étaient présents ici tout au cours des compétitions, puisque plusieurs, après le premier bloc, sont retournés à la maison. Au jeu de Thetford Mines, ils ont remporté la médaille d'or en golf, tir à l'arc, triathlon, vélo de montagne, basketball féminin et tennis. Il y avait 104 athlètes, 26 au deuxième bloc. Une excellente délégation, comme à chacune des finales des Jeux du Québec. La capitale nationale qui a l'honneur, Derek, d'être présentée en premier en raison de la tenue de la 54e finale des Jeux du Québec du 1er au 9 mars prochain dans la belle région de la Capitale-Nationale. Accueillons maintenant l'Abitibi Témiscamingue! Avec leur porte-drapeau, Jérôme Gauthier. Alors voici l'Abitibi-Témiscamingue. 96 athlètes et accompagnateurs. Il y en avait 22 au deuxième bloc. Ils ont remporté médaille de bronze en volleyball féminin, mais une mention spéciale pour l'esprit sportif en natation. Donc, son porte-drapeau, Jérôme Gauthier, a participé aux deux blocs de compétition. Il a gagné deux médailles d'or et une d'argent en vélo de montagne. L'Abitibi-Témiscamingue a tenu des finales à Rouyn-Noranda à l'hiver 73, également à Amos à l'hiver 1978, ainsi qu'à Val-d'Or à l'été 1987 et à Amos Région à l'été 2005. Accueillons maintenant Bourassa! Leur porte-drapeau, Mandel François. ...84 athlètes et accompagnateurs ont fièrement porté les couleurs de la délégation de Bourassa. Il y avait 18 dans ce deuxième bloc. Toujours souriant. Thank you.
accueillons maintenant la délégation du Centre du Québec! Avec leur porte-drapeau, Benjamin Desilets. Centre du Québec. J'aime les couleurs, Jean-Philippe, Centre du Québec. Une région qui est toujours très, très, très active, qu'on voit beaucoup sur les sites de compétition. Le porte-drapeau Benjamin Desilets, j'ai eu la chance de lui parler hier alors que j'étais en reportage avec la paranatation. Un athlète phénoménal qui a tout raflé. Moi, je veux savoir comment ils ont choisi leur pont. Qui a choisi les bas, là, t'sais? Meilleure performance, bien, cet été, à la 53e finale des Jeux du Québec, l'esprit sportif en triathlon pour les athlètes Centre du Québec. 99 athlètes et accompagnateurs. Sans plus tarder, voici la Côte Nord! Drapeau, Thomas Girardin. Oui, et Derek, Thomas Girardin, 14 ans, a fait des très bonnes performances en natation, finissant d'ailleurs 10e sur 100 mètres et 9e sur 200 mètres. Alors, bravo à la délégation de la Côte-Nord, médaille d'argent au volley-ball féminin. Accueillons maintenant l'Est du Québec! Avec leur porte-drapeau, Brittany Cochon. La délégation passe tout près de nous et on voit encore les sourires. Les jeunes sont fiers. Oui, une très belle délégation que celle de l'Est du Québec qui a accueilli, Derek, la première finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup en 1971 et qui accueillera, Derek, pour commémorer le 50e anniversaire des Jeux du Québec, la finale de 2021. Médaille de bronze en voile pour l'Est du Québec. L'esprit sportif en voile également. 100 athlètes et accompagnateurs, dont 23 qui ont compétitionné dans ce deuxième bloc. Leur porte-drapeau, Médéric Carrier. L'Estrie qui a remporté le prix de l'esprit sportif pour leur équipe de baseball. Une médaille d'argent en athlétisme, au tir à l'arc et au vélo de montagne. Médaille de bronze en volleyball de plage masculin pour cette délégation de la 53e finale des Jeux du Québec, l'Estrie. Oui, l'Estrie qui a tenu des finales des Jeux du Québec à Sherbrooke en 1977, ainsi qu'à l'été 1995, où j'ai eu la chance, Derek, d'évoluer comme bénévole. C'est une machine. Hugo Janvier.
J'aime toutes les couleurs, mais j'aime aussi celle-là. Lac Saint-Louis, là, j'aime beaucoup le noir et le rouge. Mais l'agencement avec les bas, là, ça, par exemple, c'est un autre niveau. Hein? C'est un autre niveau, d'ailleurs. Ouais, ça, c'est un autre niveau. Lac Saint-Louis, 95 athlètes et accompagnateurs. Il y avait 24 dans le deuxième bloc. Ils ont remporté médaille de bronze en natation. Et leurs joueurs de volleyball masculin ont démontré le meilleur esprit sportif lors de cette finale. Oui, Hugo Janvier, Derek, fait particulier, a remporté un total de 4 médailles en natation en eau libre. Ça fait 2 mois qu'il pratique la discipline seulement. Les finales des Jeux du Québec à La Salle à l'hiver 1966. Accueillons maintenant la mondiale! Leur porte-drapeau, Anaïs Courtemanche. L'équipe de la Naudière qui a perdu la finale du baseball face à la Rive-Sud. Médaille d'argent pour eux, médaille d'argent, volleyball de plage masculin, soccer féminin, soccer masculin et tennis. Et également médaille de bronze en volleyball de plage féminin. 87 athlètes et accompagnateurs représentent la Naudière. Oui, la Naudière qui a tenu des finales des Jeux du Québec, Derek, à Joliette à l'été 1978, ainsi que dans la MRC de l'Assomption à l'hiver 2007. Et tu parlais de baseball, Derek. Accueillons maintenant les Laurentides! La Naudière qui a vaincu au baseball en demi-finale la très puissante capitale nationale, ce qui représentait déjà un exploit très digne de mention pour eux. Avec leur porte-drapeau, Simone Barbeau. Ah, ces couleurs-là me disent quelque chose. C'est ta région, Derek? Eh oui. La région où j'ai grandi. J'ai grossi dans une autre région, mais c'est la région où j'ai grandi. Ils ont remporté la médaille d'or en natation, 2e place au golf et volleyball masculin. Médaille de bronze, cyclisme sur route. Démontrer l'esprit sportif en athlétisme et en basketball féminin. Bravo aux 100 athlètes et accompagnateurs des Laurentides. À la porte-drapeau, Simone Barbeau. 3 médailles d'or, dont un nouveau record des Jeux du Québec aux 100 mètres brasse. Dans le cas de Laval, Jean-Philippe, ont dominé le soccer à cette finale des Jeux du Québec. Médaille d'or soccer féminin, médaille d'or soccer masculin. Tiendront Laval, Derek, la finale de 2020. Alors qu'on voit les images des athlètes. Et on voit que le terrain à Derek là, du Stade Desjardins commence à se remplir de jeunes avec des sourires formidables. Et c'est ce qui rappelle pourquoi on est ici. Ouais, exact. C'est les sourires. C'est la raison pour qu'on est ici. Accueillons maintenant la Mauricie. Avec leur porte-drapeau, Mathias Guillemette.
La Mauricie. La Mauricie qui arrive. Deuxième place. La médaille d'argent en basketball féminin. Démontrer du bel esprit sportif aux compétitions de tir à l'arc et de tennis. Oui, et on considérait que les prix au niveau de l'esprit sportif sont nommés par les membres des fédérations sportives. Je m'en allais justement te le demander. On est rendu là, nous autres. On... J'avais anticipé ta question, Derek. Voici maintenant Montréal! Le porte-drapeau Edwin Lamonge. 99 athlètes ont représenté la délégation de Montréal. La région de Montréal, ils ont remporté une médaille d'or en volleyball féminin et basketball masculin. Montréal a tenu la finale des Jeux du Québec à l'hiver 72, à l'été 97 ainsi qu'à l'été 2016. Et on rappellera, Derek, que la grande région de Montréal est divisée en trois délégations, donc Montréal, le Lac-Saint-Louis, ainsi que Bourassa, qui représente la grande région de Montréal. On voit des visages heureux, Derek. Et on voit le Québec! On voit le Québec! Des jeunes de partout font notre... la fibre de notre province et les futurs leaders de demain. Quelle expérience! Quelle expérience ils ont vécu ici, ouais, à Thetford Mines. Accueillons maintenant l'Outaouais! Avec leur porte-drapeau, Laurie Millette et Émilie Brazo. L'Outaouais, triathlon, bien fait. Médaille d'argent, triathlon. Médaille de bronze, tir à l'arc. Ils ont été bien gentils au golf. L'esprit sportif pour le golf. Un lieu de compétition absolument formidable et une équipe au niveau du terrain de golf de Thetford Mines absolument irréprochable au niveau de la programmation sportive. Elmer Gatineau 1981 et Gatineau 2010 pour la région de l'Outaouais. Jean-Philippe, j'ai vu quelques jeunes passer avec leurs médailles. Et les médailles sont vraiment belles aussi. Hein? Les médailles sont extraordinaires. Je vais dire cette semaine à Bonsoir les sportifs et les gens qui m'avaient appelé, qui m'avaient participé aux premières finales. Ils m'avaient envoyé des photos de leurs médailles, les premières médailles. Ça a changé pas mal. Mais toujours aussi belles, puis ils ont la même valeur. Hein? Exact. Leur porte-drapeau, Ludovic Joseph. Richelieu Yamaska. Délégation de 91 athlètes et accompagnateurs. Ils représentaient leur région. Ils ont remporté médaille d'or en volleyball de plage masculin, argent en voile et bronze en basketball féminin et soccer féminin. Le milieu qui a tenu des finales des Jeux du Québec à Grand Bay à l'hiver 1995 ainsi qu'à Saint-Hyacinthe à l'hiver 2005. Le chef de mission, Diane Gosselin, Derek, qui est dans le programme des Jeux depuis au-delà de 30 ans.
maintenant la rive sud. Avec leur porte-drapeau, Geneviève Louisa. Sept athlètes représentent la région de la Rive-Sud. Ils ont remporté la médaille d'or en athlétisme, en baseball, en volleyball masculin, volleyball de plage féminin et cyclisme sur route. Ils ont eu tout un séjour ici à Thetford Mines. Ils retournent les poches pleines, eux autres. Je pense que oui, Derek. C'est une région qui est très, très, très dynamique au niveau de sa structure sportive. À chaque finale des Jeux du Québec, c'est une région qui performe. D'ailleurs, elle avait gagné lors des derniers Jeux d'été en 2016 au niveau du tableau des médailles. Tenu deux finales des Jeux du Québec, une à l'été 1989 à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, ainsi qu'à Longueuil, et il n'y a pas très longtemps, en 2014. Pas loin de 100 athlètes étaient sur place pour représenter les couleurs de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils ont remporté la médaille d'argent en volleyball de plage féminin, médaille de bronze en vélo de montagne et ils ont démontré meilleur esprit sportif en vélo de montagne. Oui. Et leur porte-drapeau, c'est justement l'équipe de volleyball de plage d'Éric Alexis Lapointe et Christelle Bergeron. Très dynamique, beaucoup de plaisir à jouer ensemble, très positive. Ça leur a permis de remonter la pente dans des matchs à plusieurs reprises pour se diriger vers la grande finale. Accueillons maintenant le Sud-Ouest! Clovis. Alors voici la délégation du Sud-Ouest. C'est eux qui ont remporté la médaille d'or en poil cette année à la 53e finale des Jeux du Québec. Ils ont également démontré meilleur esprit sportif, persévérance en soccer masculin et volleyball de plage féminin. C'est important, hein? C'est important de bien représenter justement les... ta région de plusieurs façons, mais si tu ne rares pas l'or ou une des médailles, retourner avec le prix de l'esprit sportif, c'est quand même quelque chose. Bien, dans le développement la dernière, mais non la moindre, notre délégation haute, Sébastien Carrier. Tu touches un point très intéressant, Derek. Au niveau des valeurs qui sont acquises par la pratique sportive, le leadership, le dépassement de soi, l'esprit d'équipe.
Alors, la foule est debout! La foule est debout pour Chaudière-Appalaches. Évidemment, la région hôtesse. Quelle performance! Les gens sont debout, mais on break debout aussi pour tout le monde ici. Ouais. Au Stade Desjardins. Quelle finale! Quel travail des athlètes, 103 athlètes et accompagnateurs. Ils ont remporté la médaille de bronze en golf, en tennis et en athlétisme. Tout le monde s'est levé dans le stade, ouais. Jean-Philippe. Oui, les gens ici au Stade Desjardins ont rendu un bel hommage à leur délégation ici de Chaudière-Appalaches. Et j'ai même pas eu la chance de taper sa chaudière. Moi, je pensais qu'il passerait ici. Vous auriez pu... Il paraît que ça porte bonheur. Derek, on va te faire réaliser ton rêve un jour ou l'autre. T'es pas game. On le rappelle, hein, c'était la troisième fois que Thetford Mines accueillait une finale des Jeux du Québec après 1980, 2003 et maintenant 2018 dans ce qui s'avère une finale absolument exceptionnelle. Une grande qualité d'organisation. Les souvenirs, hein, Derek, les amitiés qui sont créées. Regarde les images, regarde ça, regarde l'organisation. Il y a un petit peu plus d'une semaine, on était ici. Et les jeunes avaient les étoiles dans les yeux. Il n'y avait pas encore amorcé leur compétition. Et là, bien, c'est la fin d'une semaine incroyable à Thetford Mines, la 53e finale des Jeux du Québec. Et comme on le dit si bien parfois, le rêve commence ici. L'opportunité de s'adresser à vous maintenant. Débutons les allocutions avec le maire de la ville de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau. Lui a fait un travail incroyable. Il avait besoin d'un, vous aviez besoin d'un quatrième frappeur, puis s'est amené au bâton, puis il l'a mis l'autre bord. Je suis tellement fier. Fier de ma ville, du comité organisateur et des nombreux bénévoles. Fier des employés de la ville et de nos partenaires. Et fier de vous, les athlètes! Vous avez été extraordinaires! On ne pouvait mettre tout le monde sur le podium, mais vous aurez tous mérité d'y être. Il reste que vous étiez tous ici, aux Jeux du Québec, avec les meilleurs. Bravo! Encore une fois, les gens de Thetford ont su se mobiliser pour vous accueillir. 2670 bénévoles étaient au rendez-vous. Ils avaient été nombreux à témoigner du bel accueil réservé à nos visiteurs. Bravo! Et que dire de nos sites de compétition? C'était extraordinaire aussi. Dans plusieurs cas, nous avons épaté tant les athlètes que leurs parents et les fédérations sportives. L'objectif sera maintenant de les mettre en valeur avec d'autres compétitions qui donneront l'occasion à plusieurs d'entre vous de revenir, et tant mieux, on aime ça recevoir. Encore merci à Sport Québec de nous avoir fait confiance, à la commission scolaire et au Cégep d'avoir mis leurs installations à notre disposition, à Héritage Centre-Ville pour la très réussie place des Jeux au Centre-Ville. Merci aux missionnaires, entraîneurs et officiels de rendre possible la logistique et la tenue des compétitions. Enfin, merci à vous, les athlètes, pour les beaux moments que vous nous avez fait vivre. Et on s'entend tous pour dire que nous avons une belle jeunesse. Nous avons beaucoup aimé vous recevoir chez nous et espérons que vous garderez un souvenir aussi agréable que nous de votre passage. Nous avons hâte de vous revoir lorsque vous serez un peu moins occupés, que ce soit bientôt ou dans plusieurs années. Et sachez qu'il fait toujours beau chez nous, ou presque. Merci!
Merci, M. Brousseau. Maintenant, je vous demande d'accueillir chaleureusement M. Michel Allen, président de Sport Québec. Distingués invités, chers amis des Jeux du Québec et surtout, jeunes athlètes de la province qui nous ont inspirés tout au long de cette 53e finale des Jeux du Québec, bienvenue à cette cérémonie de clôture de cette 53e finale des Jeux du Québec à Thetford. Par votre énergie et votre dynamisme, vous avez été à nouveau l'âme des Jeux du Québec. Jeunes athlètes de partout, vous êtes nos héros. Vous pouvez repartir la tête haute avec la fierté de vos accomplissements. Ensemble, unissons nos voix pour saluer une dernière fois nos nouveaux amis. Thetford, votre accueil a tellement gagné nos cœurs. Vous avez démontré à tout le Québec sportif que votre région avait tout pour réussir avec brio cet événement unique au Canada. Une mobilisation citoyenne exemplaire, la collaboration de l'ensemble de vos partenaires et des infrastructures de qualité qui profitent à votre population. Thetford, mission accomplie! Et pour la grande famille des Jeux du Québec, c'est un rendez-vous à la Ville de Québec à l'hiver 2019. Bonne cérémonie! Merci beaucoup, M. Allen. Vous entendrez maintenant le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre du Québec, M. Laurent Lessard. Alors, bonjour tout le monde. Nous en sommes à la clôture. Merci beaucoup. Au commencement, donc, les Jeux ont été vôtres. Vous nous avez fait connaître vos régions. Mais lors des compétitions, on a connu vos noms de famille et parfois même vos prénoms. Vous nous avez fait forcer. J'étais présent à la finale volleyball filles Côte-Nord-Montréal. Vous nous avez transmis la nervosité, l'émotion, mais surtout la compétence, l'engagement. Toffé jusqu'au bout pour gagner. Alors bravo, c'est ce que vous nous avez transmis, c'est ce qui va rester de plus précieux. Aux parents qui nous accompagnent, évidemment, au-delà de ça, merci de nous accompagner. Aux spectateurs qui sont ici présents, témoins d'un événement unique au Québec, M. Allen. Sport Québec, merci beaucoup. La ville, généreux, donc ouvert, vous serez toujours bienvenue ici. Guylaine, une bénévole émérite, aux partenaires du monde scolaire et du monde social et du monde économique qui ont tout fait ça pour vous. Je quitte en disant ce que vous avez gagné de plus précieux, c'est pas seulement les médailles que vous avez d'accrochées. Ça, vous pourrez toujours les ranger dans votre étagère. Ce que vous avez gagné le plus précieux, c'est la fierté d'avoir participé. Et la fierté, ça ne se range pas. Ça vous accompagne toute votre vie. Et j'ai le goût de vous dire que vous êtes beau. Bienvenue à Thetford pour toujours. Merci, M. Lessard. La dernière, et non la moindre, la présidente du conseil d'administration de la 53e finale des Jeux du Québec, Thetford 2018, Mme Guylaine Dubuc. Bonjour tout le monde! Quel beau moment! Vous êtes tellement beau, tellement beau! Chers athlètes, on vous laisse partir ce soir, coucher chez vous, avec beaucoup de nostalgie. Pendant les 10 derniers jours, vous avez été nos champions. C'est toute une région que vous avez fait vibrer de beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles émotions. Vous avez été heureux,
victorieux, quelquefois triste, mais jamais on vous a vu abandonner. Vous êtes persévérants, combatifs, vous êtes des modèles inspirants pour nous tous. Bravo! Cette semaine, vous avez créé des souvenirs inoubliables pour des centaines, des milliers de personnes. Vous nous avez livré un spectacle exceptionnel. Vous êtes les artistes, les vedettes d'une génération active et prometteuse. Quand je me suis engagée dans cette belle aventure des Jeux du Québec, je l'ai fait en premier pour vous. Cette semaine, c'est près de 3000 personnes de la région qui ont emboîté le pas, qui ont permis la réalisation de la finale. Merci les bénévoles, merci au comité organisateur. Une société saine, c'est une société qui est engagée et qui est fière. Cette semaine, comme région, on a prouvé qu'on se portait à merveille. Fait qu'au moment de se quitter, la grande famille de la 53e finale des Jeux du Québec, Thetford 2018, je vous dis merci. Tellement merci, on va se souvenir toujours de vous. Puis à vous les athlètes, un par un, je pourrais pas le faire, mais j'aimerais beaucoup le faire. Je vous souhaite une belle vie, aussi grande que vous autres vous l'avez été cette semaine. Fait que merci, bon spectacle, bon retour. Merci beaucoup, Mme Dubuc. Lors de chaque finale, deux délégations qui se sont démarquées reçoivent les grands honneurs. La région s'étant la plus améliorée et, bien sûr, la région gagnante. Accueillons M. Michel Allen, président de Sport Québec, et Mme Guylaine Dubuc, qui procéderont au dévoilement des gagnants. Alors, la région la plus améliorée est celle de l'Abitibi-Témiscamingue! Et la région gagnante, Rive-Sud!
parmi vos délégations respectives. Merci. Nous sommes maintenant arrivés à un moment très significatif de la cérémonie de clôture, la passation du drapeau de la finale au prochain comité organisateur. Pour ce faire, j'inviterai Mme Guylaine Dubuc, présidente du conseil d'administration, M. Marc-Alexandre Brousseau, le maire de la ville de Thetford Mines, M. Michel Allen, président de Sport Québec, M. Laurent Lessard, député ministre, et M. Vincent Dufresne, conseiller municipal à la ville de Québec, à s'avancer pour procéder à la transmission du drapeau. La présidente Guylaine Dubuc remet le drapeau au maire, M. Marc-Alexandre Brousseau. Qui le remet ensuite au président de Sport Québec, M. Michel Allen. Qui le remet à son tour à M. Lessard. Qui le remet finalement au conseiller municipal à la ville de Québec, M. Vincent Dufresne. Nous invitons maintenant M. Laurent Lessard à venir proclamer la clôture de la 53e finale des Jeux du Québec, Thetford 2018. C'est avec émotion que j'ai l'honneur de proclamer la clôture officielle de la 53e finale des Jeux du Québec, Thetford 2018. C'est maintenant officiel. Le flambeau est dans les mains de la 54e finale des Jeux du Québec, hiver 2019. Mesdames et messieurs les dignitaires, je vous invite à suivre nos hôtesses. Elles vous accompagneront vers la tribune d'honneur située sur le terrain. Merci. Afin de clore de magnifique façon, laissons-nous emporter dans la grande fête organisée par notre directeur artistique, M. Alain Turcotte. Que le spectacle commence! Incroyable au Stade Desjardins. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, là, tu regardes les délégations, tu regardes les couleurs, ça peut faire autrement que faire rêver. Aussi, il y a un sentiment de fierté. Les gens qui nous regardent à la maison,
souvenez des régions là, qui sont représentées. Vous pouvez voir et vous identifier. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. And I'll tell you all about it when I see you again. When I see you. Tout le monde dans les airs!
Macarena, Macarena,
dale alegría y cosa nueva. Dale a tu cuerpo alegría. ¡Desanta! ¡Hey, Macarena! ¡Ah! I thought and have been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. You better walk out to the touch. Now I need someone to bring me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover. Move on. You watch me bleed until I can't dream, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I believe this itch is tripping over myself. Without your kisses, I'll be needing stitches. Just like a moth drawn to a flame, how you learned me in, I could not sense the pain. You better hold cold to the touch. Now I'm gonna rip up I saw. Let's see red on my home. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'm make it out alive if I quit calling you my lover. Move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself. Needing in the dress, gonna get you out of my head. Needing in the dress, gonna wide up there. Needing in the dress, gonna get you out of my head. Needing in the dress, gonna wide up there. Needing in the dress, gonna get you out of my head. Needing in the dress, gonna wide up there. Needing in the dress, gonna get you out of my head. Needing in the dress, you watch me bleed until I can't breathe. Merci à tous. Nous venons d'entendre une chanson de Shawn Mendes, Stitches, interprétée par Gaëlle Boissonneau-Tivière. C'est juste avant, une réalisation chorégraphiée par France Veilleux. Sur les chansons Magique et Lumière, C'est la vie, en terminant par la Macarena. Ensuite, nous avions Anthony Bouffard avec la chanson See You Again et la chanson L'oiseau et l'enfant, interprétée par Ophélie et Florence. On continue en spectacle. Accueillons Dominique Rose avec la pièce Puisque tu pars. Thank you.
défaut de le comprendre. Rêver nos désirs et vivre des ainsi soit-il. Et puisque tu penses dans une intime évidence que parfois même tout donner n'est pas forcément suffire, puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur, puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu pars.
See you.
Félicitations tout le monde, merci! Le vintage en retour dans les années 80. Nous venons d'entendre un superbe medley interprété par John Jed et Molly Fortin avec les pièces Let's Go Crazy, Footloose et The Time of My Life, accompagné des danseurs de l'école de danse Daniel Moreau. Ensuite, vous allez voir l'impressionnante performance de deux danseurs, Joachim et Julien, sur la chanson Happy, qui ont représenté la région à la finale nationale de Cégep en spectacle tenue à Trois-Rivières en mai dernier. Vous avez aussi pu voir Véronique Labbé et ses danseuses. Nous continuons maintenant le spectacle. Vous les voyez, ils sont prêts. Accueillez le groupe Hommage à Bob Bissonnette avec une interprétation de Maître du Tape sur ma palette. La prochaine, vous la connaissez tous, c'est un grand hit. Ça s'appelle « Mets du tape sur la palette ». J'espère qu'on va se fixer. J'espère qu'on va assez, c'est pas trop magané. J'espère qu'on va trouver pour la poche de roulette. Le pouvoir sentiment va tomber ma palette. La poche dans le toc avec des têtes de pote. En chemin que t'en vas en direction de l'arène. On se prend le grand capi. Où tu vas te faire compter la magie grandie. Une arène de quartier sans le sac du cap. Une deux pieds dans le stade. Tu rentres à l'intérieur. Vous devez la chambre. Les jambes en soleil. T'as croché sans se faire briller. Mais les jambières. T'as du jardin. J'ai vu la gagne. Viens dans mon jackstrap. Tu fais la rechette. Le pied est une botte. C'est pas mal là quand t'as pas de cap. Je rentre dans mon chien, je me garage en face. Je peux donner mon casque au pied. Au bout avant de sauter sur la glace. La pied d'asseoir. Yes sir! J'espère que mes potes sont fixées. J'espère que mes lacets sont pas trop magalés. J'espère de bruit pour la poche roulette. Les pouvoirs sont sur mon ventre, puis pipi ma belle. J'espère que mes potes sont fixées. J'espère que mes lacets sont pas trop magalés. J'espère de bruit pour la poche roulette. Les pouvoirs sont sur mon ventre, puis pipi ma belle. Lorsque je sport équipe, je m'en sport athlétique, il fait tant Caroline, j'en fais le mec qui combine, que j'ai plus 20 ans, puis une coupe des ciments, pas mis des culottes, petit tour ou pas shot de fixer mes bretelles, comme le ferait, j'arrête les salariés, c'est pour l'être, soit je joue à l'aide de ta façon volée, que ce soit ton ennemi, que tu quittes ta main, je mange à cœur par du corps, mais les gens viennent, ta chartière, j'ai vu ma coquille, viens dans mon chaque strap, tu fais la belle shot, le kill est pote, c'est pas mal, la carte, t'as pas de cap, petit pivoyage, je me rends dans mon chien, je veux garage d'en face. J'avais mon casque qui vous boule à la souris, ça y est, ça vous a crié d'asseoir. J'espère que vous êtes ici, j'espère que vous êtes assez, c'est pas trop magané, j'espère que vous êtes dans la poche de l'être. Et pour vos sentiments, moi, quand vous vivez ma palette, j'espère que vous êtes pas ici. J'espère que mes lacets sont pas trop magalés. J'espère que vous êtes dans la poche de l'être. Pour vos sentiments, moi, quand vous vivez ma palette. Sont fixés, j'espère mes lacets sont pas trop maganés, j'espère que pour la poche roulette, le pouvoir sentiment m'entend de vivre ma belle, j'espère que mes potes sont fixés, j'espère que mes lacets sont pas trop maganés, j'espère que pour la poche roulette, le pouvoir sentiment.
si mon bon zombie dépit ma palette. Yes, sir! Merci la gang! Yes sir! Major League, the guy.
filles et les garçons participent à l'action, on devient des champions. Les jeunes bébés. Fier de faire rayonner notre communauté.